I got a feeling, ooh, ooh, that the night's gonna be a good night. That the night's gonna be a good night. That the night's gonna be a good, good night. Feeling, ooh, ooh, that the night's gonna be a good night. That the night's gonna be a good night. That the night's gonna be a good night. Bonsoir, Gatineau! Everybody's cool off today, cool off today, cool off today. Everybody's cool off today, cool off today. Any way you want to, any way you've got to. Love, love me, love, love me, love, love. Le trophée du meilleur chanteur, veuillez accueillir Kevin Parent. Bonsoir tout le monde. Je sais pas trop qu'est-ce que je fais ici à soir. J'espère qu'il n'y a pas trop d'anglais ici à soir. Et le monde en arrière m'a demandé de présenter un trophée, ça a l'air. Bismil vocaliste, meilleur mâle vocaliste, je pense qu'ils disent en français. Fait qu'ils m'ont dit de dire que c'est le temps de dire, que ça a l'air que c'est le temps de dire. Et voici les nominations. Let's take a look at the nominees, comedies. For Best Male Vocalist, the nominees are Phil Collins. Oh,
Tom Jones. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual, happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want it to. Why can't this crazy love be mine? Oh, yeah. Coldplay. Barkley. I remember when I lost my mind. It was so displeasing about this place. Giving your emotions an echo in so much space. Ooh, come on now, who do you think you are? Ha ha ha, what's your soul? Le gagnant du trophée du meilleur chanteur, voici le magnifique Mario Lemieux. Ecco ta, who let the dogs out?
Écoute, je pense que vous êtes en compagnie de Mario Lemieux. Puis, écoute, je pense que ça prenait un gagnant pour présenter un gagnant. Puis, écoute, je pense qu'en fait, gagnant, écoute, je pense que ça mérite une bonne main d'applaudissement. Puis, écoute, vous êtes toujours en compagnie de Mario Lemieux. Puis, écoute, je pense qu'on m'a demandé de présenter la catégorie Best Male Vocalist dans les deux langues, dans l'anglais, mais également le français, parce qu'écoute, je pense que le français, c'est ma langue de maternelle. Puis, d'ailleurs, je parle ma langue, mais j'aime bien aussi ta langue. D'ailleurs, ma langue avec ta langue, ça serait vraiment quelque chose d'intéressant. Puis, écoute, je pense que ta langue, elle va très bien avec ta face. Puis, écoute, comme tu peux voir, j'ai pas la langue de bois, parce que sinon, écoute, je pense que tu pognerais une écharpe. Puis, écoute, je pense que vous êtes toujours en compagnie de Mario Lemieux. Puis, écoute, j'espère vraiment avoir du succès dans la phrase qui va suivre. Puis, écoute, on est ici pour présenter la catégorie Best Male Vocalist, Meilleur Male Vocalist, so the winner is Mario Lemieux. Puis, écoute, je pense que ça serait peut-être meilleur pour moi puis pour toutes vous autres si je mettais mon petit nez dedans l'enveloppe pour présenter le gagnant, parce qu'on est ici pour présenter un gagnant, puis normalement le gagnant se trouve en dedans de l'enveloppe. Puis, écoute, si je mets pas mon petit nez dedans l'enveloppe, on pourra pas savoir c'est qui le gagnant. Puis, écoute, je pense que c'est pas ça qu'on veut. On veut le résultat final. Puis, écoute, je pense que le résultat final se trouve vraiment dans l'enveloppe. Puis, on est peut-être mieux d'ouvrir l'enveloppe pour savoir le gagnant, parce qu'ici la catégorie c'est Best Male Vocalist. Puis, écoute, je pense que vous êtes toujours en compagnie de Mario Lemieux. Puis, écoute, j'espère vraiment d'avoir du succès dans la phrase qui va suivre. Puis, écoute, le gagnant dans la catégorie Best Male Vocalist, Meilleur Male Vocalist, the winner is. Écoute, Cher. Messieurs, bonsoir. Bienvenue à bord du vol 007 d'Air Dubé. Votre commandant de bord qui vous parle, Martin Dubé. On est très, très, très heureux de vous avoir parmi nous ce soir. Vous savez, ce soir, on a des passagers très, très spéciaux parmi nous. Vous êtes tous et toutes en première classe, ça c'est clair. Mais parmi nous ce soir, on a un groupe d'étudiants. Comme vous avez pu remarquer, il y a des caméras un peu partout. Et vous allez vous faire filmer. Sortez vos sourires. Mettez vos belles faces. Et je voudrais les remercier parce que c'est des jeunes qui sont remplis d'énergie, remplis de talent. J'ai eu la chance de les côtoyer cet après-midi. Puis, sérieusement, ils sont vraiment super sympathiques. Et je pense qu'ils vont faire un bon travail. Et c'est la fin de l'étape pour eux. Donc, on arrive en fin de session, c'est ça? Et vous allez être jugés, j'imagine. Vous allez avoir des notes et... Par la suite, vous allez être engagé par les meilleurs au monde et vous allez devenir les meilleurs au monde. Alors, je pense qu'ils méritent une bonne main d'applaudissement. On est vraiment contents de les avoir parmi nous. Merci beaucoup d'être là, les amis. Et c'est très gentil de nous avoir choisis. Vous savez, mon équipe et moi, durant les 15 dernières années, on a eu la chance de donner des spectacles un peu partout dans le monde, majoritairement en anglais. Et peu importe où on se trouve dans le monde, on nous pose toujours la même question. Martin, comment as-tu commencé à faire des imitations? Mais c'est bien simple. Aussi loin que je me rappelle, j'ai toujours fait des imitations. Étienne, regardez ça, c'est moi à 5 ans. Et cute, hein? Déjà, j'imitais un joueur sur une carte de hockey. Ah, puis là, j'imite un joueur sur une carte de baseball. T'es encore cute, mais c'était un petit Chris, par exemple. Oh, mon Dieu! Ma première imitation... J'ai payé 350$ pour aller pogner un gros poisson. Pour ceux qui se posent la question, là, le poisson, c'est celui à gauche.
Ça, c'est notre première escale en Europe, à Monaco. Imaginez, j'atterrais à Monaco, et juste avant mon spectacle, on vient me voir, puis on me dit, « Martin, le prince Rainier est dans la salle. » « Ah, ouais? C'est lequel? » Ah, ici, j'imite un politicien municipal. Par contre, celle-là, je ne l'ai pas encore très bien. Faut que je la travaille. J'ai de l'air ben trop crédible. Ah, ma fameuse rencontre avec le célèbre joueur de hockey, Bobby Orr. Ça, je vais me rappeler toute ma vie ce qu'il me dit après la photo. Il me dit, « Martin, si t'en veux une autre, c'est 25$. » Avec Wayne Gretzky. Lui, après la photo, il me dit, « Martin, si t'en veux une autre, va donc voir Bobby Orr. » Avec M. Larry King. Et ça, j'étais vraiment impressionné. Impressionné par la grosseur de ses lunettes. Et ça n'a pas de bon sens. Non, sérieusement, là, pour ceux qui se posent la question, là, je vous annonce officiellement que ce n'est pas des lunettes, mais bel et bien une porte-patio. Probablement le plus beau souvenir de toute ma carrière, au 75e anniversaire au pré-gala des Oscars. Et imaginez, j'étais à Hollywood, devant tout le gratin d'Hollywood, à Los Angeles, pardon, devant tout le gratin d'Hollywood, et tout de suite après ma performance, il y a Kate Hudson, une actrice que j'admire, qui vient me voir et qui me dit en me regardant dans les yeux, « Congratulations, Martin! » You're very good. Un gars sait plus où se mettre. Hey, à Los Angeles, il fait 25 degrés à l'année longue. C'est assez plate, ça? J'aime ça, moi, quand il fait fret. J'aime ça faire de la tournée au Québec sur des routes maganées. Hey, à Dubaï, ils ont pas ça, des nids de poules. Ils ont même pas de poules. On est bien mieux ici, chez soi, au Québec, devant son monde. Merci d'être là, Gatineau. Merci! Très, très heureux d'être parmi vous ce soir pour vous présenter mon tout nouveau spectacle par la voix des airs pour la toute première fois. Ah, la toute première fois. Premier mensonge aux parents. Premier bec mouillé à petite voisine blonde. Le premier French. Le premier flirt. La première fois qu'on tombe en amour. Suivi, bien évidemment, de notre première peine d'amour. Bon, quand ça t'arrive, ça, ta première peine d'amour, tu comprends pas trop ce qui t'arrive. Hein? T'es tout mêlé. Tu manges du chocolat en quantité industrielle, tu gagnes du poids, t'en perds, tu dépenses des tonnes de Kleenex, et pas nécessairement pour la bonne raison. Par contre, quand t'es frappé par le coup de foudre, ben c'est là que tu réalises que le garde à vous, ben, c'est pas juste dans l'armée. Ce matin, et l'autre, on s'est donné la main. Ce matin, on s'est mis voilà tout. Même chance que je t'ai tes mains. Une chance quand ça et boule de gomme, sais-tu devenu un homme? Ça fait longtemps que je t'ai un homme. Et boule de gomme, sais-tu devenu un homme? Qui est la belle inconnue? La femme en bleu se lasse à table. Je me sens fou de la voir. Comme j'aimerais qu'elle me regarde à cause d'un regard. Maintenant plus rien ne nous sépare. Je suis amoureux de la femme en bleu. Ne laisse pas la chance d'être aimé. Le cœur devient moins lourd quand on est deux étrangers qui se rencontrent dans l'ascenseur. Déjà le désir monte. Étrangers qui se rencontrent, stoppant leur course contre la montre, seul, tout seul au bout du monde. Ah, 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 ah.
La forêt du mal-aimé, chaque arbre est un membre oublié, chaque feuille une âme délaissée. Ce n'est sûrement pas le tombé qui nous empêchera de tomber. Ce n'est sûrement pas le tombé qui nous empêchera de rêver. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt avec toi, pour un petit tour au petit jour entre tes draps. Je t'aime, oh oui, je t'aime. Moi non plus. Je vais et je viens. Tu n'as rien vu qu'un homme qui voulait te prendre. Tu n'as rien vu mes failles, mes pas, mes gestes tendres. Rien entendu quand j'essayais de te comprendre. Damner, condamner tes démons, t'es disparu. Tu n'as rien vu de l'amour que je respirais, mon âme à nu. Je l'ai révélé sans regret, tu n'as rien cru. Tu m'as largué comme moi de chair, comme mon méprise sans raison est détenu. Tu l'as cherché, tu l'as voulu, je ne t'aime plus. Je suis crevé, je suis vaincu, je n'ai pas su trouver les mots pour te le dire, pour en finir et pour de bon, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Trouver les mots pour te le dire, pour en finir et pour de bon. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus.
Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à 110%. Ce soir, un débat délicat. Alors, messieurs, je vous demande, là, pas de gna-gna, pas de fla-fla, pas de tatouinage. Ce soir, on parle des bagarres dans la Ligue nationale de hockey. Doit-on ou non les abolir? Et nous avons un nouveau venu comme invité, M. Gilles Tremblay, ancien analyste à la soirée du hockey. Bonsoir, Gilles, bienvenue à 110%. Eh bien oui, Claude. Eh bien oui, Pierre. Eh bien oui, Benoît. L'expérience de Patrick Roy en 93. Et on va revoir la reprise, mon René. Merci, merci, M. Tremblay. Et toujours dans le coin gauche, un autre débatteur habitué de 110%, le Tigre, M. Hockey lui-même, Michel Bergeron. Salut, Michel. Salut, Jean. Très content d'être ici ce soir. Pourtant, je juste les bagarreurs. Sacrifice, Jean. J'en parlais avec mon épouse l'autre soir. T'es vraiment beau depuis que Bédic t'a coupé les cheveux. Là. Sacrifice. Ouais, je parle que tu parles beaucoup trop à ton épouse, Michel. Maintenant, dans le coin droit, un autre nouveau venu à l'émission 110%, ancien champion boxeur canadien, maintenant entrepreneur de pompes funèbres, grand poète devant l'Éternel de Jonquière, Stéphane Ouellet. Salut, Stéphane. Et voilà, je suis là. Des coups de poing, j'en ai souvent mangé. Des dents, j'en ai souvent avalé. Des défaites, j'en ai jamais digéré. Mais des invitations comme à soir, j'en ai jamais envoyé. Et voilà. T'es toujours aussi poète, hein, mon cher Stéphane. Et à côté de lui, dans le coin droit, notre promoteur de boxe préféré, celui qui promote plus vite que son ombre et celui dont le dentier marche plus vite que sa bouche, Régis Lévesque! Oui, on n'a pas commande pas, moi, de noircir, d'abord. Mais on n'est pas de dentier. Sois poli, tu noirciras personne ici ce soir, mon Régis. T'es pas au beau bien des lits, là, t'es à 110%, là, Régis. Mais moi, de noircir, pareil, pareil, d'abord. Oui, oui, bien, OK, Régis, là, relax, là, mais... Les bagarres, le sujet de ce soir, les bagarres dans la Ligue nationale, messieurs, est-ce qu'on doit les abolir, oui ou non? Ben moi, Paris, il m'a dit que haut 18, d'amann. Moi, Paris, il m'a dit que haut, il m'a oublié à vous autres aussi, d'amann. Comment ça qu'on parle des bagarres dans la Ligue nationale d'hockey, d'amann? Et même pas des vrais bagarres, on dirait des feufilles en tutu qui se promènent sur la glace, d'amann. On pourrait leur mettre une douzaine d'eux dans les culottes, patineraient sans les casser, d'amann. Paris, c'est pas ça de la boque, on veut de la boque. On veut de la boque. On veut pas les escapés de maintenant. On veut de la boque. On veut pas Blanche-Neige au bois dormant de maintenant. On veut de la vraie boque. Ben, en tout cas, moi, tu me feras pas promoter une gang de grandes fofolles, même pas ces hommes se battent pas de quatre de maintenant. En plus, les arbitres, ils viennent les séparer de maintenant. Qu'est-ce que c'est ça de maintenant? Ben, il n'y a pas de bon sens. Elle continue de même. On va pas aller à la parade de la Coupe d'année de maintenant. On va aller à la parade de la fierté gay. Tu connais rien dans ton hockey, Paris, Cré. Alors, c'est 18, la fête de notre débat. Moi, merci, Paris, t'as pas là. Alors voilà, c'est terminé. Demain, à 110%, notre débat portera sur le patinage artistique. Doit-on permettre aux femmes à barbe de pratiquer cette discipline? Bonne fin de soirée, bonne fin de spectacle, Martin. Mesdames et messieurs, nous approchons d'une des villes les plus excitantes au monde, Las Vegas. Et quand ils disent « ce qui arrive à Vegas reste à Vegas », ils parlent bien sûr de votre argent. Bonsoir tout le monde. Céline et moi, ce soir, nous sommes vraiment très honorés d'être en votre compagnie. Excusez-moi un instant. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Je sais que t'es aimes les gens de Gatineau. Je sais que t'as hâte de chanter ta chanson. Finis tes biscuits soda, ça va être à ton tour, ça sera pas long. Elle a hâte, ça a pas de bon sens, la petite. Sérieusement,
Céline et moi sommes vraiment très heureux d'être parmi vous ce soir. Vous savez, Céline a la chance de jouer dans les plus grandes salles au monde, devant des milliers de spectateurs, soir après soir. Et ce soir, je vous demanderai quelque chose de très particulier. Je vous demanderai de prendre la même énergie que lorsque je suis allé voir mon gérant de banque à l'époque. Je suis rentré dans son bureau. J'ai regardé mon gérant de banque. J'ai regardé Céline. J'ai regardé mon gérant de banque. J'ai regardé Céline. J'ai regardé mon gérant de banque. Et j'ai pris la meilleure décision de toute ma vie. Je suis parti avec Céline. Et ça prenait du guts pareil. Donc ce soir, on prend beaucoup d'énergie et on accueille une femme qui a eu la chance de chanter sur cette scène. Accueillez-la comme il se doit. Céline. Oh, 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 oh. Ta minute, championne. Bon, c'est important que tu t'exprimes avec une voix comme ça, mais à soir, c'est moi qui run la patente. Fait qu'attends ton tour. J'ai dit, on fait lever le toit de la maison de la culture. Me semble c'est clair, ça. C'est... Oh, oh, oh. Coudon, vous avez rien compris, vous autres. Vous êtes obligé de vous faire un chèque de 100 000 piastres chaque, coudon. Ça paraît que c'est pas toi qui fais un chèque, mon champion. Pas pris ses pellets la soirée. Tout le monde ensemble, veuillez accueillir. Ma Céline. Votre Céline. Notre Céline. Leur Céline. Their Céline. Céline. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au Temple Céleste de la Renommée. Ce soir, quelques chanteurs et chanteuses seront élus au Temple de la Renommée Céleste et moi, Claude Mouton, l'annonceur officiel du ciel,
j'ai l'honneur de vous les présenter. Juste avant de demander à l'Esprit-Saint de nous éclairer, j'inviterai tout d'abord les étoiles ce soir à embarquer sur la partie noire du forum. Tout d'abord, la troisième étoile, The Third Star, la chanteuse américaine, The American Pot Smoker, Janis Joplin. Revenons maintenant au temple céleste de la renommée. Notre prochain artiste invité vient tout juste d'arriver à reculons parmi nous. La deuxième étoile, le second star, the king of pop, le roi du popsicle, Michael Jackson. There's a place in your heart. Much brighter than tomorrow. There are ways to get there if you care enough for living and make a better place, make less space. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire race. There are. Et la première étoile, le third star. Depuis son arrivée au ciel, même les anges sont aux anges. Ladies and gentlemen, Freddie Mercury. Is this the real life? Is this just fantasy? Coffin lights, man, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, nobody loves me. He's just a poor boy from a poor family, sparing his life from this monstrosity. Easy come, easy go, will you let me go? Bismillah, no, we will not let you go. Bismillah, we will not let you go. Bismillah, we will not let you go. We'll not let you go. We'll not let you go. Let me go. No, 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 no. Mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. Beelzebub has the devil put aside for me. For me. Oh,
Mesdames, messieurs, notre dernier élu ce soir au temple de la renommée céleste n'a vraiment pas besoin d'étoiles, car il trône seul au-dessus de la voûte céleste. Il est sans équivoque le meilleur chanteur d'opéra de tous les temps. Signori e signore, Luciano Pavarotti. Cordon, and welcome to our new game show, Name the Movie, where you, the audience, you can win absolutely nothing. It is an easy game. I'll ask you some questions. Excuse me. Pardonnez-moi, ces gens parlent français. Ah, vous parlez français? Ah bien oui, ils parlent français, la bande d'andouille. Alors, bonsoir. Et bienvenue à votre nouveau quiz cinéma, Name the Movie, ou si vous préférez en français, devinez The Movie. Une émission complètement extraordinaire, parce que c'est moi qui l'anime, et parce que je descendrai parmi vous, allez vous rencontrer un à un. Et nous allons nous bidonner. Et quand je dis nous bidonner, alors là je dis nous bidonner. Meilleure chance la prochaine fois. Vous êtes vachement beau. Vous êtes super. Bien sûr que c'est vous que je regarde. Bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom ? Monique. Monique. Pardonnez-moi, Monique. Quel joli nom pour une jolie dame comme vous. Dites-moi, Monique. Vous voulez jouer avec moi ? On se calme, esprit tordu au quiz, voyons. Non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Monique, vous voulez jouer avec moi ? Je ne sais pas.
Vous avez des admirateurs. C'est vachement sympathique. Hein. Vous êtes accompagnée ce soir, Monique? Oui. Et par qui? Michel. C'est solide. Alors ce soir, pour l'occasion, nous l'appellerons tout simplement Monsieur Cocu. D'accord, Monique, soyez très attentive. Alors, le premier film... Elle a dit jaillisseur. Pas moi, j'adore. Allez, Christian. Alors, pour le premier film, le film fait l'éloge des blondes. La femme est ravissante, la robe est rouge et la musique est de Chris de Bourg. Allez, devinez the movie. Vous êtes vachement craquante. Lady in red, she's dancing with me. It's nobody in. It's just you and me. Where I wanna be, hardly know. This beauty by my side, never forget the way you look tonight. Tonight, Lady in Red, you're my Lady in Red. I love you. On a une jalouse dans la salle. La prochaine fois, chanceuse. Quel moment formidable pour Monique. Monique, voici la clé de ma chambre. Si vous aimez le champagne et les fraises, croyez-moi, vous êtes sur le point de vivre une nuitée exceptionnelle. Et quand je dis exceptionnelle, je dis exceptionnel. C'est normal que votre visage soit la même couleur que votre pull. Et pour la nuitée, évidemment, Monsieur Cocu n'est pas invité. Deuxième film. Dans un monde apocalyptique, des guerriers en moto viennent hanter la vie des pauvres gens. La chanson du film est interprétée par une femme reconnue non seulement pour sa voix, mais aussi pour ses jambes. Allez, devinez the movie. Exactement, Tina Turner qui chante Mad Max. We have the children, last generation. We are the one they left behind. We don't need another hero. Allez, 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 allez. Voilà. Ah, vous êtes mauvais, mais mauvais. Vous me trouvez chiant? C'est normal, je suis français. Au fond, vous m'entendez bien? C'est à vous que je parle, banque de pignouf. Vous m'entendez bien, au fond?
C'est vachement mieux. La prochaine question est pour vous, bande d'andouilles. Au début des années 60, il est le premier à marier le gospel et le rhythm and blues. C'est un noir américain aveugle. Exactement, il s'agit de Ray Charles, le père de Gregory Charles. I got a walk way over there. We'll need to meet. Oh yeah. Hey, I got a walk way over there. Get to meet. Oh yeah. He gives me money when I'm in need. Yeah, because I love brand new. I got a woman way over there. It's good to me. Oh yeah. Allez, 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 allez. Pour le dernier film, vous devez trouver la voix. Et quand je dis trouver la voix, alors là je dis trouver la voix. La, 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 la. La Castafiore. Mais qu'est-ce que c'est que ce connard? La Castafiore. Non, mais il me prend pour Tintin du gland. Mais non, c'est pas la Castafiore. Exactement, il s'agit de Maria Callas. Allez, Jean-Christophe, ça tourne! Merci beaucoup, on fait une courte escale de 20 minutes et on se voit bientôt. Merci. Mesdames et messieurs, nous nous apprêtons à entrer dans une zone de turbulence. Veuillez donc attacher votre ceinture parce que ça risque de brasser avec le party qui s'en vient. Bonsoir, mesdames et messieurs. Ici votre commandant, Robert Pichet. Good evening, ladies and gentlemen. This is your captain, Bob the Pitcher. Bienvenue à bord de ce vol MD-007 d'Herbe Dubé à destination des plus grandes capitales internationales. Je vous prierai d'attacher vos ceintures et de fermer vos cellulaires. Également, je vous demanderai d'attacher vos momottes, vos dentiers et tout autre objet qui pourrait se déplacer durant ce vol, qui promet plusieurs zones de turbulence. Nous sommes présentement à 33 000 pieds d'altitude et nous survolons la ville de Londres. Sur votre droite, vous pouvez apercevoir Big Ben et sur votre gauche, nul autre que Mick Jagger des Rolling Stones. Thank you.
get angry. When will those crowds all disappear? Nouvelle génération. Prochaine destination, Hawaï. Sur votre droite, vous pouvez apercevoir Honolulu avec ses fabuleuses plages et ses belles hawaïennes, mais également ses succulentes japoniennes et ses ragoûtantes poméraniennes. Hawaïen, j'aurais voulu que tu sois Hawaïen pour que tu grimpes en haut des cocotiers. Nous n'aurions plus besoin du laitier. Ah, Hawaiian, j'aurais voulu que tu sois Hawaiian pour que tu portes une jupe en osier et que tu me dénudes de ses petits pieds. Ah, comme par magie, nous voici maintenant au-dessus de Winnipeg, Manitoba. Mais rassurez-vous, il n'est pas question qu'on atterrisse là. All right, get it on, clap your hands! Traversons maintenant l'Atlantique. Ne vous en faites pas, on n'aura pas de problème de carburant cette fois-ci. Mais si c'était le cas, on se rendrait quand même jusqu'en Belgique parce que ça plane pour moi. Wambam, mon chef là, j'y sur mon lit à bouffer sa langue. En buvant dans mon whisky, quant à moi, de dormir, vie débris. Mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. En quatre couleurs, ça plane dans moi. Ça plane dans moi. Ça plane dans moi. Moi, ça plane dans moi. Ça plane pour moi. Mesdames et messieurs! Également, un gros, gros merci à M. Jean Pagé qui a bien voulu se prêter au petit jeu. Merci, M. Pagé. Ben oui, je vous entends. Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais prendre deux petites minutes pour vous présenter mon équipe exceptionnelle avec qui j'ai la chance de voyager partout et de travailler depuis plusieurs années.
conception d'éclairage, un bon vieux chum, Monsieur Mathieu Dupuis. Merci, Matt. Un autre bon vieux compagnon de route, conception sonore, sonorisation, Monsieur Stéphane Dubé. Merci, Steph. Direction technique et aux vidéos, j'ai nommé Monsieur le meilleur directeur technique au monde, Monsieur Mathieu L'Étoile. Merci, Mathieu. Le poisson à TV. Un merci tout particulier à notre directeur musical et j'ai nommé Monsieur André Leclerc. Merci également aux habillages visuels, Monsieur Sébastien Deneau. Merci beaucoup au Tex, Christian Bolduc et collaboration très spéciale de Monsieur Sylvain Larocque. Gros, gros merci à notre metteur en scène et j'ai nommé nul autre que Monsieur Bruno Landry. Merci beaucoup, Bruno. Et un merci tout particulier à un être exceptionnel et on est vraiment très, très chanceux d'avoir la chance de le côtoyer. Et j'ai nommé Monsieur René Simard. Martin, merci. Oublie pas tes stepettes, là. Puis souris. Merci également à mon gérant Alain Bolduc, ainsi qu'à toute l'équipe ici du théâtre. Sont vraiment formidables, les gens qui nous ont aidés cet après-midi, les gens qui sont au projecteur de poursuite. Sérieusement, exceptionnel et ça mérite vraiment une bonne main d'applaudissements parce que vous avez toute une équipe. Merci beaucoup à tous. Merci. Merci également à toute la gang des caméras. Je sais que je l'ai mentionné plus tôt, mais c'est vraiment un projet très particulier et je sais à quel point ils sont contents d'être ici. Et nous aussi, on est vraiment contents qu'ils nous aient choisis. Donc, un gros, gros merci. Merci infiniment à tout le monde. Merci beaucoup. Vous savez, nous, ça s'est passé vraiment bizarrement. On avait commencé à faire une tournée au Québec. Et en mi-tournée, on a eu l'appel de l'équipe de Corey Hart pour faire la première partie de la tournée canadienne. Bon, imaginez, on nous appelle pour faire la tournée. Le seul problème, c'est que je ne parle pas un mot du mot anglais. Et on accepte quand même l'invitation. Et heureusement, parce que suite à ça, ça nous a ouvert les portes aux États-Unis, mais également en Europe. Mais le premier gros contrat que j'ai eu la chance de faire aux États-Unis, c'est le Téléthon Jerry Lewis. Imaginez, j'étais à Los Angeles, dans les studios de télévision là-bas. Je suis sur le point de faire ma première apparition à la télévision américaine devant des millions de téléspectateurs. Je ne parle pas un mot du mot anglais. J'ai M. Jerry Lewis lui-même qui arrive devant moi. Je suis vraiment très impressionné. Il me tend la main. Je lui serre la main. Et là, il me dit, « I'm glad you're here, kid. » Et là, je lui réponds, « You too. » Là, il me donne une tape sur l'épaule puis il me dit, « Enjoy the show, kid, and good luck. » J'imagine que ça voulait dire, « Arrange-toi avec tes troubles, mon petit bonhomme. » Heureusement, ça s'est super bien passé. Je me suis évanoui, mais pas trop longtemps. Non, sérieusement, ça s'est vraiment bien passé parce que par la suite, on a eu l'invitation pour aller faire des spectacles au célèbre Moulin Rouge de Paris. Imaginez, le célèbre Moulin Rouge de Paris, avec les plus belles danseuses de cancan au monde. Les 40 plus belles danseuses de cancan en petite tenue. En fait, en presque pas de tenue. En fait, presque tenue. Ce qui était vraiment formidable dans cette belle expérience, c'est que je partageais la même loge que les fameuses danseuses. Tout le monde se disait, comment ça qu'il arrive 6 heures avant chaque spectacle? Il est bien professionnel, ce petit gars-là. D'ailleurs, je dois vous avouer que depuis ce jour, Victoria n'a plus de secret pour moi. Maintenant, si vous le permettez, j'aimerais vous présenter un numéro que j'ai eu la chance de faire là-bas à 67 reprises. Veuillez accueillir la grande dame de la chanson, Madame Edith Piaf. Les miens, un rire qui se verse sur sa bouche, on la voit vrai sans retouchant dans la mortelle. J'appartiens quand il me prend dans ses bras, il me prend en tout bas. Je vois l'embryon rose. Il m'a dit d'aimer mon amour,
Mesdames et messieurs, le film présenté à bord de ce vol sera un navet. Nous vous rappelons qu'en cas de mal de cœur, des sacs de papier sont disponibles dans la pochette devant vous. Alors à la place du film, nous vous conseillons de syntoniser le canal 1, où vous pourrez entendre le meilleur show radiophonique au monde. In the morning. Grand show, grand show, grand show dans ta radio, c'est Martin tous les matins. Bon matin Gatineau et bienvenue à votre nouveau show radiophonique spécialement conçu pour vous, chers auditeurs. Alors que dire de plus? Absolument rien, parce qu'on débute en musique avec Simple Plan et Your Love is a Lie. Où ça? Mais non, Martin tous les matins. That's it. Fall asleep by the telephone. It's 2 o'clock and I'm waiting up alone. Tell me where have you been? Found a note when I'm not a name. The ball cast by the jaws don't feel the same. Cause I can feel that you're gone. Can't bite my tongue forever. Won't try to play cool. You can hide behind your stories, but don't take me for a fool. You can tell me that there's nobody else. You can tell me that you're home by yourself. You can look into my eyes and pretend all you. All right, la gang, on s'en va au téléphone. Salut, mon chum, qu'est-ce que t'aimerais entendre? Ouais, dis donc, c'est possible d'entendre Rod Stewart et Abatoju? Certainement, et dans quelle radio t'envoies ça, mon chum? Dans Martin tous les matins. If I told you lately, then I love you. If I told you, there's no one else. Fill my heart with gladness. Take away all my sadness. Ease my troubles, that's what you do, boy. Fill my heart with gladness. Take away all my sadness. Ease my troubles, that's what you do. Tornade, récession, famine, terreur, pollution, déluge, coup de l'essence. Bref, ça va mal. Voici vos nouvelles. C'est vrai que ça va mal dans le monde. Et qu'est-ce qu'on fait quand ça va mal? Mais on monte le volume et on écoute Superman de Fight for Fighting. Où ça? Mais dans Martin tous les matins! All sleep sound tonight.
courriel. Merci beaucoup, ma petite Julie. Courriel. Oh, qu'on aime ta voix! Courriel. On vient tout juste de recevoir un courriel d'une dénommée Francine. Et elle nous dit que dans quelques semaines, elle va subir la grande opération. Alors pour toi, mon François, voici une toune avec des gars qui se coiffent comme des filles. Bon Jovi! What you said, you promised me heaven, you put me through hell. Change of love, got a hold on me. When best is a present, you can't break free. Whoa, there's nowhere to run. No one can save me, the damage is done. Shot to the heart, and you're too lame. You give love a bad name.1978. Allez, plus fort que ça! Some love had me a blast. Some love happened so fast. I met a girl crazy for me. Met a boy cute as can be. Saw the days drifted away. Some of the nights. Oh, well, oh, well, oh, well, tell me more, did you get very far? Tell me more, like the sea of a car. Ha, 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 ha. Merci beaucoup! Santé, tout le monde! Merci, vous êtes vraiment gentils. Merci infiniment. Vous savez, plus je vieillis, plus je me rends compte que la principale chose que j'ai en commun avec mes parents, c'est pas mêlant, c'est mon prêt étudiant. Non, trompez-vous pas, je les aime beaucoup, mes parents. Ben voyons. Ah oh oui, Roger puis Denise! Roger puis Diane. Roger puis Diane, ils viennent d'une autre génération. La génération épi. Non, mais c'était un beau petit couple quand même dans ce temps-là. Il y en avait un des deux qui avait les cheveux super longs jusqu'en dessous des fesses. Et puis le poil de dessus de bras jusqu'en dessous des genoux. Et puis mon père était pareil. Et dans ce temps-là, il portait des ponchos. S'entends-tu qu'un poncho, c'est pas un morceau de linge, ça? Un poncho, c'est une couverte qui pue avec un puits de lumière. Mais dans ce temps-là, ce look-là, c'était in. C'était hip. C'était cool. Allez, Gatineau! Ben oui, vous savez ça! Aujourd'hui, je me défie d'un chantier en joie. Je suis cool, je suis cool, je suis cool. Aujourd'hui, je me défie d'un bébé en face. Je suis cool, je suis cool, je suis cool. À m'en parler des boutons de téléphone. Je vais chanter sur des airs de pompiers. C'est pas de ma faute si le monde est tout dévié. C'est pas le fun, c'est pas le fun, c'est pas le fun. Je suis cool, je suis cool. Je suis cool à ça. Il faut que je vous parle de mon père. Mon père, là... Allô? Qu'est-ce que tu fais là, parler dans mon dos? Papa? Oui, papa. Tu sauras, mon gars, que tout ça a commencé avec l'Expo 67. À l'Expo 67, tous les pays du monde sont venus nous faire découvrir leur culture. Ben oui, leur culture. Tu vas acheter du Marocain, du Jamaïcain puis du Colombien. Hey, Martin, oublie pas que c'était l'époque des chansonniers aussi. Ah, c'est vrai. Il y en a pour qui être chansonnier à l'époque, c'était une carrière. Mais il y en a d'autres pour qui c'était juste une raison pour pas prendre de douche. Oui,
mais nous autres, nos chanteurs avaient de quoi à dire. C'est pas comme tes Simple Plank ou Justin Timberlake pis tes Metallica. Écoute bien ça. Metallica, papa, Metallica. Par le printemps qui me chante la couenne, triste m'a manqué encore un hiver. Je peux pas faire autrement, ça me fait de la peine. On verrait qu'au printemps, printemps c'est pas longtemps. Avra di da di la di di da, avra da da a di di da ri, avra di da di la di di da. Imagine le printemps quand les vers sont vraiment blancs. Hey, par le printemps qui me chante ma couenne, triste comme un manqué encore un hiver. Par le printemps qui me chante ma couenne, triste comme un manqué encore un hiver. Effectivement, il y avait de quoi dire. Paul Pichet, avradi de l'adi, gladidoum, gladidoum. Hé, hey, c'est des paroles qui font réfléchir, ça, hein? Excuse-moi pas, là, mais le seul message que je vois là-dedans, c'est que c'est pas facile de chanter avec un joint dans la bouche. Wow, wow, rush pas, minute, pompon. Nous autres, nos chanteurs, il y en avait des belles paroles. Bon, un autre. Remarquez qu'à l'époque, Claude Dubois n'était pas le seul à prendre des substances bizarres. Papa, prends un de tes préférés, là, Raoul. Raoul Duguay. Moi, je viens de la Pitibi, moi, je viens de la Pitatibi, moi, je viens d'un pays qui est un arbre fort. Moi, je viens d'un pays qui bouge dans le nord. En 1900, tout en Abitibi, dans mon pays. On le sait que tu viens de l'Abitibi, chose à hurler de même. C'est bien évident que ton voisin le plus proche est à 3000 dans le bois. Moi, je viens de la bite à Tibi, ben oui. Puis moi, je viens de la bite à Roger, puis je t'achale pas avec ça. L'aimer, la bête à Roger. Vous savez, je ris un peu de mon père depuis le début, mais je comprends le message qu'il essaie de me faire passer. C'est que ces années-là ont permis à beaucoup de Québécois de se rapprocher des vraies valeurs. Le bonheur, l'authenticité, la simplicité. Je t'aime, papa. Jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt
et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Être un jour exilé au pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un qui parlait, c'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous survivre au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours. Mesdames et messieurs, veuillez noter que le panneau indiquant l'interdiction de fumer s'est allumé au-dessus de vos têtes. Prière de ne pas fumer, même dans les salles de bain. Pour les fumeurs, bonne chance avec votre patch. Tony, 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 Tony! How you doing? A long time no see, ça fait longtemps, ta barouette, hein? Hey, Manek! Manek! Unbelievable! Hey, t'as encore le même chandail rouge que je t'ai acheté! Toujours avec Monsieur Cocu! Unbelievable! Yo, how you doing? Mais ça veut dire comment ça va? Wake up, tabarouette! Hey, Manon, à moi, c'est Vinny Bombat. Just like that, I own a restaurant à Laval. J'ai un restaurant à Laval, moi, tabarouette. C'est pas c'est où Laval. Get a map. Anyhow, c'est vraiment le fun à mon restaurant, là. Quand tu rentres, là, tu penses vraiment que t'es dans l'Italie, là. Pareil. Et il y a les petites photos de la Toscane un peu partout, ces murs, là. Il y a aussi les petites colonnes grecques un peu partout. C'est sûr que ça, ça fuck le décor un petit peu, là, mais... À un moment donné, t'y vois plus, ça disparaît, là, tu sais. Qu'est-ce qui est vraiment le fun à mon restaurant, là? C'est la fin de semaine, spécifiquement. Are you laughing at me or what? Wanna play with me? Je vais appeler Tony de Laval, tabarouette. Quand, là, les fins de semaine, on décide, là, qu'on engage les bandes, on met la petite musique italienne, canzonetta italiana. Oui. When the moon hits your eye like a big pizza pie, rings a ling, ting a ling a ling, ting a ling a ling, and you'll sing Vita Bella. Hearts a play, tippa tippa tay, tippa tippa tay, like a guitarantella. When the stars make you drool just like pasta fazzula, that's amore. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signore. Excuse me, but you'll see back in all Napoli, that's amore. Amore, that's amore. Grazie, grazie mille. Anyhow,
just like that. Moi, je cherche mon femme. Mario, son nom à elle. Je comprends pas pourquoi elle est partie, ma Mario. Et j'y ai tout donné à elle. Le Cadillac, le Diamond Ring, le manteau de fourrure, la maison. J'ai même payé la docteur. Et 5 000 $ que ça a coûté, son collègue. Et pas 5 000 $ pour les deux. 5 000 $ chacun. Puis là, c'est un gars de Gatineau qui joue avec, tabarouette. Ça t'est arrivé à toi avec? Je comprends pas qu'est-ce qui est arrivé. Et j'étais certain que c'était parfait dans notre petite couple. Tu sais, quand tu penses que ça va bien dans ton petit couple, là. Un peu comme toi, là. Tu penses que ça va bien dans ton petit couple, hein? Pose les vraies questions. Tu sais jamais ce qui se passe dans leur petite tête de bébite, là. Tu sais pas qu'est-ce qui arrive là-dedans. Moi, je vais t'expliquer pourquoi je pensais que ça allait bien entre nous autres, OK? Et à un moment donné, je suis sur la terrasse à la maison, là, en train de prendre mon petit jus d'orange puis de regarder le journal. Puis là, à un moment donné, ma Marion, elle arrive sur la terrasse avec sa petite Christie de face haïssable. Puis là, elle me regarde avec sa petite Christie de face haïssable. Puis là, elle me dit, Vini, mon beau Vini. C'est moi, ça. Elle dit, pourquoi on ne fait pas du beau de céramique dans la toilette? J'ai dit ça en face d'un homme, dit, moi, tabarnouche. Mais tu sais quoi? On a refait du céramique dans la toilette. Il est parti avec le poseur du céramique, tabarnouche. Mais ça a l'air qu'il n'est plus avec le poseur du céramique. Ben non. Ça a l'air que le poseur du céramique aurait eu un petit accident. Ça a l'air que le poseur du céramique est à l'hôpital. J'ai entendu dire que le poseur du céramique aurait mangé une boîte de céramique au complet. Avec la sauce aux tomates de chez Vini par-dessus. Et le monde est petit pareil, hein? Et ça, c'est pas facile à manger, ça, une boîte de céramique au complet, hein? J'entends de dire aussi qu'il aurait mangé une boîte de chiclou à plancher. Ça, c'est pas plus facile à manger, mais c'est plus difficile à tuer, par exemple. Hein? Got the picture? No, we don't want to see that. Unbelievable. Anyhow. Il doit venir de ta voix, lui, c'est rien. Tu refais ta toilette en céramique. Anyhow, tu sais, un jour, j'aimerais vraiment ça que ma Maria revienne. Mais en attendant, si je veux vraiment qu'elle revienne, il me reste juste une affaire à faire. C'est prier, corps. Maria gratia plena.
Dominus tecum. Benedit a tu in mulieribus, ad benedictus, ad benedictus fructus Merci, vous êtes vraiment gentils. Gatineau, on reste debout. Vendredi soir, la fin de semaine. Gatineau, it's party time. Welcome to the world of disco. Tout le monde, feel the beat, feel the beat. Allez, plus fort que ça, ça s'en vient. Oh, madame, vous avez le pied dans ça. Allez, tout le monde. Monsieur, vous êtes capable. There we go. Listen to the ground. There is movement all around. There is something going down. And I can feel it. On the waves of the air. There is dancing out there. If it's something, we can share.
sais que tout le monde la connaît celle-là. Allez, on fait du bruit. Young man, there's no need to fall down. Say, young man, keep your song off the ground. Say, young man, and I'm sure you will find many ways to have a good time. Allez, ça va tout. It's fun, stay at the YMCA. It's fun, stay at the YMCA. They have everything for your man to enjoy. You can hold on with all the boys. It's fun, stay at the YMCA. It's fun, stay at the YMCA. You can get your shopping. You can have a good meal. You can do whatever you feel. It's fun, stay at the YMCA. Mesdames, messieurs, bienvenue à Gatineau. L'heure locale, 22h06. Bon retour à la maison. Vous avez été vraiment des passagers de première classe. Merci infiniment. Si vous le permettez, j'aimerais juste vous demander une petite faveur, si c'est possible, avant de quitter. Si jamais vous avez aimé le spectacle, s'il vous plaît, propagez la bonne nouvelle. Dites-le à tous vos amis, vos familles, le plus de gens possible. Merci beaucoup. Et si vous n'avez pas aimé ça, ben t'as besoin de fermer ton grand bouche, OK, là? Merci infiniment, vous avez été super. Bonne fin de soirée. Pour ceux que ça intéresse, je vais venir vous rencontrer dans quelques minutes. Pour les autres, bon retour à la maison. Soyez prudents. Merci beaucoup. À la prochaine. Bye bye. She's right.